Salut Mimi! Salut! Salut Mélanie! Salut tout le monde! Ça va bien? Oui, très bien. Non, en vrai, j'ai la crève. Mais c'est pas grave, je vais essayer de parnifler. Alors, tu es là pour nous parler d'un petit livre avec des petites images? J'aime bien les livres avec des dessins. Aujourd'hui, on va parler d'une BD. Et on va parler d'une BD qui fait peur. Ce qui est plutôt rare. J'ai rarement lu des BD qui faisaient vraiment peur, en tout cas des BD occidentales, puisque les Japonais sont plutôt très forts pour faire des mangas qui me donnent envie de crever. Donc j'ai arrêté de lire des mangas qui font peur. Mais j'ai reçu Dans les bois, qui est un livre qui vient de sortir, enfin une BD qui vient de sortir chez Casterman, qui est sorti l'an dernier aux États-Unis, et ça fait super peur, mais c'est trop bien. Donc Dans les bois, c'est signé Emily Carroll, qui est une jeune BDiste américaine, et c'est une collection de 5 histoires horrifiques, qui sont un peu quelque part entre le conte, mais pas le conte à la Disney, le conte à l'ancienne, genre les contes de Perrault qui faisaient quand même un peu bader, où les gens se coupent des bouts. C'est plus les Grimm quand même qui faisaient genre « Ah toi, tu meurs !» Ouais, mais dans les contes de Perrault, il y avait des trucs un peu moches aussi, hein, genre dans Cendrillon, quand les sœurs se coupent les pieds et tout, c'est un peu dégueulasse. C'était à l'époque, on s'en foutait. Donc là, on est plutôt dans la grande tradition du conte qui fait peur et qui donne envie de jamais aller dans les bois, vous l'avez. Donc c'est quelque part entre les contes traditionnels et il y a un côté un peu Edgar Poe, un peu l'horreur 19e qui marche très bien. J'ai personnellement commencé à lire Dans les bois la nuit. Et du coup, j'ai arrêté, j'ai lu une BD sur des chats, et après je l'ai lu l'après-midi en plein jour. Il faut savoir que je suis plutôt impressionnable, je regarde pas les films d'horreur et tout, donc je suis peut-être pas le bon critère pour à quel point ça fait peur. Ça m'a pas empêché de dormir, mais j'étais vraiment pas super bien. Ben oui, mais aussi, ça va faire peur si je le lisais la nuit. Allez. Je savais pas que ça faisait peur, j'avais pas lu le résumé. Alors, il y avait un indice, j'aurais pu m'en douter. Donc Dans les bois, c'est 5 contes on est sur de l'horreur qui est pas de type tueur en série ou zombie, c'est de l'horreur beaucoup plus viscérale, beaucoup plus un peu mythologique et ancestrale, de choses qui rôdent dans le noir, de personnes qui ont l'air de plus être tout à fait humaines mais il y a pas grand monde qui s'en rend compte, de gens qui sont petit à petit possédés par des choses qu'on comprend pas trop, de maisons où les gens, une fois qu'ils y sont, deviennent bizarres, etc. C'est un peu à l'American Horror Story, en fait. Alors, j'ai peu regardé American Horror Story, à part que je suis une flippette. mais c'est... on est sur des thèmes... Allez, je continue mon challenge 2016, parler de Stephen King dans toutes mes chroniques. on est sur des thèmes qu'on peut retrouver chez King, d'horreur inexplicable et inexpliquée, qui a un côté un peu... En fait, le challenge n'est pas de la vaincre, de vaincre le monstre, puisque c'est visiblement des choses qui sont pas de notre monde. Et sur lesquels les humains ont finalement peu de pouvoir. Mais c'est plus de soit réussir à y échapper, soit échouer et finir par soit être attrapé par le monstre ou vivre avec. Donc il y a un côté où vraiment on lit ça sous la couette et on se blottit un petit peu, on vérifie que la fenêtre est bien fermée et qu'il n'y a pas les branches de l'arbre d'en face qui font des ombres bizarres et tout. Et du coup, il y a un côté un peu à l'ancienne en fait, comme les trucs que je pouvais lire quand j'étais plus jeune. Et ça m'a fait du bien de retrouver ça. Je vais vous montrer quelques pages, c'est très très joli. C'est vraiment... je suis tombée sur la page qui fait super peur. D'ici j'ai vu genre une tête, je me suis dit... Non, il n'y avait rien. Non, c'est pas vrai. On est par exemple sur ce travail-là, en noir et blanc. Il y a un travail du lettrage aussi qui est très intéressant, et qui permet en fait de... C'est la première BD que j'ai lue qui m'a fait sursauter. Où vraiment, il y a des moments où tu lis comme ça, tu fais OK, et tu tournes la page, et là, bim ! Comme la page sur laquelle je viens de tomber tout à l'heure, où t'as un énorme monstre en fait en gros plan sur toute la page, et du coup t'as un mouvement de rejet en fait, de wow, ah j'étais pas prête. Et du coup c'est une BD avec des jumpscares, ce qui était un peu impossible dans ma tête. Quand il y a de la couleur, c'est aussi très joli. Donc je vais vous montrer, il y a des gros plans plutôt dérangeants en fait, l'horreur s'insinue vraiment de façon insidieuse, où tout a l'air plutôt normal. Donc là, on a par exemple des planches en couleur qui sont aussi très belles. J'ai mis un marque-page pour un endroit où le travail de lettrage est vraiment foufou. Où on plonge dans la folie en fait d'un personnage qui a couvert une feuille de trucs qui veulent rien dire, et on voit qu'il y a, en fait, c'est la même personne, mais il y a plusieurs écritures différentes, ce qui montre qu'elle est en train de perdre la boule et qu'elle est peut-être possédée, je sais pas. Et c'est des choses qui donnent en fait un objet très beau. Et qui, je pense, se relie, parce que la première fois qu'on lit, on est un peu en mode « Oh, comment ça va finir ? Est-ce qu'ils vont s'en sortir ?» et tout. Et à la relecture, on découvre à quel point le travail du dessin et du lettrage fait rentrer l'horreur petit à petit dans un monde qui paraît plutôt normal et traditionnel.
Donc c'est très chouette. Je vous cherche une dernière page que j'aime beaucoup. C'est celle-là. Je trouve qu'elle est plutôt classe. Avec cette lune rouge et cette maison isolée. Et la figure du petit chaperon rouge aussi qu'on retrouve ici. Donc on dirait un peu le poster des 8 salopards. Oui, c'est vrai. Je pense que chaque histoire est très cool à découvrir sans rien savoir au préalable. Donc si vous aimez les contes, si vous aimez vous faire un peu peur, mais pas trop, si vous aimez la belle bande dessinée et en plus faite par une meuf, donc c'est cool, je vous conseille d'acheter Dans les bois, qui vient de sortir, c'est sorti le 6, donc il n'y a même pas une semaine, et c'est un vrai bel objet qui fait ressentir plein de choses. Habituellement, quand tu lis des histoires d'horreur, enfin, tu t'imagines l'horreur, sauf que là, en fait, elle est déjà là, en fait. T'as les dessins, t'as rien à imaginer, en vrai. En fait, t'as des choses qui sont très graphiquement montrées, enfin, où tu peux pas... qui ne laisse rien à l'imagination, n'est-ce pas? Notamment la grosse page dont je vous parlais tout à l'heure, où tu fais « merci !» Mais t'as aussi plein de choses qui se passent en coulisses, dans des bords de cases, où y a du travail sur le noir et l'ombre qui grignotent petit à petit la case, et où du coup tu peux juste imaginer ce qu'il y a dedans. Donc il y a une part qui est quand même laissée à ton imagination, et après, une fois que le monstre, enfin l'ennemi est représenté, c'est pas des représentations très traditionnelles, en tout cas dans l'horreur occidentale. Il y a vraiment une vibe un peu de l'horreur japonaise là-dedans. Et du coup, c'est pas, ça va pas être, je sais pas, la figure de la petite fille... enfin non, tu me diras, la petite fille, elle vient de la culture japonaise, mais ça va pas être, voilà, ça va pas être des zombies, ça va pas être des fantômes à la Poltergeist. C'est plus des choses soit innommables, soit des choses qui ont l'air normales, mais qui sont horriblement anormales. Donc c'est un peu... l'horreur qu'on peut imaginer sur, je sais pas moi, un thème qui me fait vachement flipper dans les films d'horreur, c'est les gens qui sont genre humains mais qui se déplacent pas d'une façon normale, genre qui ont, tu sais, qui font des trucs avec leurs bras et tout, j'aime pas du tout ça. C'est ce genre de choses en fait qu'on va retrouver là-dedans, donc même quand le monstre est visuel et que du coup l'imagination ne bosse plus, c'est très dérangeant. Mais pas, voilà, pas au point de plus endormir la nuit, vous ferez peut-être un ou deux cauchemars. Mais en même temps, faut pas regarder des trucs d'horreur si vous aimez pas. Du coup, c'est vrai que c'est différent d'une histoire d'horreur écrite, mais je trouve que ça laisse plus à l'imagination que la plupart des films d'horreur que j'ai vus, par exemple. Parce qu'on est, y a beaucoup de non-dits et la montée en puissance de l'angoisse est très bien gérée. Ok, bah merci beaucoup, Mimi. Merci à toi. Je pense qu'on va tous le lire et faire pipi dans notre culotte, hein, le pas soir. Pas des os, j'aurais prévenu. Bah à la prochaine fois. Oui, à une prochaine. Salut. Salut. Deuxième voix sur California Dreamin, qui est le gros tube, c'est pas un hasard, vous l'avez, vous avez la ref, qui est le gros tube de The